Bonjour à toutes, belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la version japonaise de Dokkan Battle pour tester le nouveau Gogeta SSJ4 version 2020 avec un active skill. Il a deux catégories, il a la catégorie Dragon Magnifique, il propose 150% de boost de stats, et pour la nouvelle catégorie Giant Ape Power, qu'on pourrait traduire par la puissance Ozaru ou la puissance de la singerie, je ne sais pas. Je voulais choisir dans l'espace commentaire. Il donne Kibu 3 et 170% de boost de stats. On va jouer en Extreme Battle Road. Oui, directement, on va le tester en difficulté maximum. Extreme Battle Road, catégorie Dragon Magnifique. Voilà. Alors malheureusement, son meilleur source en termes de lien, c'est le Goku SSJ4 puissance. Mais il ne rentre pas dans la catégorie Dragon Magnifique. Par contre, la version AGT, oui. Donc, on aura un peu moins de ki. Mais vu qu'il s'auto-suffit en termes de ki, ça devrait bien se passer. Comme d'habitude, avant de commencer, la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les amis. Le lien se trouve dans la description. Alors oui, comme vous le savez, les deux Gogeta et SSJ4 portent le même nom. Du coup, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on peut essayer de stomp celui-ci? Donc comme je le disais, en fait, il s'auto-suffit en termes de ki. Donc, c'est pas mal. On va faire ça. Ah, ils ont fait une petite correction. Du coup, on a bien le calcul en fonction du passif du perso. Ok. Alors, je pense que un item est demandé parce que nous sommes en Extreme Battle Road. On n'est pas en Battle Road normal. On a juste un debuffer ici, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, surtout que la première version de Gogeta SSJ4, bah, c'est un peu une chips. Et là, le contre qui ne proc pas 2 300 000. Alors là, avec Vegeta SSJ4, il n'y a que Super Saiyan. Super Saiyan et Combat Acharné qui proc. Donc il faudrait que je le mette à côté de Goku pour pouvoir avoir Kamehameha en plus. Donc voilà, un petit boost, un pourcentage, parce que désormais le Kamehameha a été modifié depuis la mise à jour des liens. Donc maintenant c'est 5% quand on part en spé au premier niveau. Alors je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout, parce qu'en fait c'est pas ma team traditionnelle pour réussir l'Extreme Battle Road Dragon Magnifique, parce que c'est plus intéressant de jouer avec Omega Shenron puissance que la version endurance. Alors on va faire quoi? On va faire quoi? Oh là là. Oui. C'est pas gagné. Hein. Alors, en termes de stats, on est où? 110 000, 120 000, ok. Bon, on a un peu de l'intelligence. Est-ce qu'on peut le tuer? Bon, on va bloquer sa spé. Donc il va pas nous faire mal, en théorie. On va essayer de le finir. Bim. Et on va essayer de le finir. Voilà. Ça devrait plus ou moins bien se passer. Elle est vraiment très forte, cette princesse auto. Blocage de spé. Malheureusement, elle est plus intéressante lorsque l'une des cibles subit un malus de type une réduction dégâts, enfin une réduction d'attaque ou de défense. Alors, j'ai oublié de parler du kit de ce Gogeta SSJ4 version 2020. Quand il part en spé, augmente grandement sa défense et son attaque pendant un tour, donc 50% de boost de stats. Attaque et aide plus 200% de base. Ki plus 4, plus encore attaque et aide plus 40% et attaque efficace contre tous les types pendant 8 tours. 8 tours, c'est 4 apparitions. Ensuite, l'active skill. Ah non, c'est pas fini. À partir du 9ème tour, l'attaque efficace est liée à la chance. On n'aura que 50% de chance d'activer l'attaque efficace. Et puis, on a 50% de chance de contrer les attaques spé. Alors l'active skill, on va pas le claquer tout de suite. On va attendre d'avoir le Goku dans l'autre rotation. Bon, on va le claquer là. Allez. On n'est pas maxé en termes de stats comme je le voulais. J'aime bien ce regard, genre toujours gentil, puis je deviens sérieux. C'est dommage que ça soit un petit peu pixelisé. C'est un petit peu dommage. On met tout sur l'agilité, comme ça c'est fini. 147 000. Alors tous les ennemis sont des buffs de 40%, donc en fait non, j'ai pas besoin de claquer un item en vrai.
Donc 40% attaque et def, enfin moins 40% attaque et def pour tous les ennemis pendant un tour, et il gagne attaque et def plus 40%. Donc là je me retrouve avec 147 000, sachant que je gagne 50% sur cette somme. Je vous laisse faire le calcul, 147 000 fois 1,5. Faites les calculs et mettez-moi dans l'espace commentaire le résultat. 3 200 000 attaques efficaces. Attention, 3 millions tout court c'est ouais, mais 3 200 000 avec attaque efficace, flèche vers le haut, là c'est autre chose. Normalement le multiplicateur c'est x 1,9 si je me rappelle bien de mes calculs. Donc voilà, sans item, on s'en sort très bien. Bon après on a le debuff d'Omega Shenron, plus le debuff de Gogeta qui est incroyable. Alors, c'est vrai que le showcase n'est pas optimal, sachant que pour que ce soit optimal, il faudra que je pars avec un double Gogeta SH4 en lead pour gagner 170% de boost de stats. Donc là on a 20% de stats en moins au niveau de l'attaque, la défense et PV, mais vous avez une petite idée, donc 3 200 000, sachant que j'ai encore Kamehameha qui devrait proc lorsque je mettrai le Goku SH4 LR agilité dans la même rotation. Ce sera, très, très prochainement. Ah oui, alors l'active skill, j'ai oublié d'en parler. L'active skill s'active dès lors que Gogeta SSJ4 2020 prend 4 attaques dans la tronche. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est fait. Alors par contre, bon, on va claquer un item. On a un debuffer. Ouais, mais... Ouais. On meurt très très vite, hein, les amis. L'extrême Battleroid porte très bien son nom. Une erreur égale un décès. Voilà. Ils peuvent très bien partir en spé deux fois. Enfin, le tech, puis l'agilité. Puis le hint. Et là, je serai dans la sauce. Dans la sauce Nuke Mam. Mélangé à l'aigre-douce. Mélangé à la sauce magie. Donc là, lui, vu qu'il il a du debuff grâce à Gogeta. Du coup, double spé de la princesse. Et voilà, j'avais plus ou moins senti. Ok. Alors, selon les dernières informations, le debuff ne dure qu'un seul tour. Le debuff de Gogeta, c'est un peu dommage. Après, ça aurait été peut-être un chouïa trop fort. Ah. Enfin, les deux meilleurs frérots sont côte à côte. Allez. C'est marrant de voir le premier active skill dans la même rotation que l'active skill le plus récent. Pas mal. Ah, j'aurais peut-être dû le laisser contrer. Allez, pour le plaisir. Pour le plaisir. Lui, il est à 100%, l'autre, il n'est pas à 100%. Donc voilà, nous avons ici la meilleure rotation possible en termes de dégâts. Je parle bien en termes de dégâts. Parce que on a donc Kamehameha qui proc, donc 5% de boost d'attaque quand on part en SP. Voilà, tu vois la différence. Cette petite différence qui fera la différence, oui. Il n'y a aucune répétition de ce que je dis. Aucune. C'est parti. Tout le monde part en SP ultime. C'est dommage que ce soit pas un LR. Donc 2 400 000 dégâts efficaces, flèche vers le haut. Sans doublon, avec les liens pas avant au maxé, vu que la carte vient de sortir aujourd'hui. Donc là, par exemple, il tapera plus fort que Goku SH4 et l'air 100%. Voilà. Parce que là, nous sommes au tour 5. L'active skill, enfin, les dégâts efficaces durent 8 tours. 8 tours, c'est 4 apparitions du Gogeta. Et ensuite, on va tester avec l'active skill en plus, pour voir jusqu'où on peut aller en termes de dégâts. Alors, c'est puissance et intelligence. Ouais. Ça sent pas bon. On va essayer de bloquer l'aspect de la puissance. Comme ceci. On va claquer un item, je pense. Encore une fois, Omega Shenron, c'est un peu une chips, hein. Chips lay. Après, on en parlera quand ils passeront ZTM, mais pour l'instant, ils sont extrêmement fragiles. Pareil pour Gogeta et SJ4, hein. Extrêmement fragiles. Le contre reste
quand même sa plus grande force, hein, 70% de chance de contrer, alors que le Gogeta SSG4 2020, il a que, entre guillemets, que, quand je dis que, c'est quand même 50%, c'est pas mal. Mais 70%, c'est quand même, t'es quand même plus serein que lorsque tu as que 50%. Après, maintenant, la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'invoquer pour lui? Bon, en fait, tu peux le jouer. Enfin, en même temps, cette vidéo vous montre qu'on peut jouer avec Gogeta SSJ4 sans l'avoir. Après, vous êtes limité à Dragon Maléfique. Ou sinon, si vous droppez... il me semble qu'il y a un leader alternatif pour Giant Ape Power. Ah non, pour l'instant, il n'y en a pas. Non, j'ai cru qu'il y en avait un. Si, il y en a un qui est free-to-play, mais vous n'aurez pas beaucoup de stats. Alors, est-ce qu'on peut espérer un contre ici? On va voir. On l'espère en tout cas. Ah, petite erreur, je voulais vérifier les kills. Oui. Gogeta SSG4 risque de prendre cher. Mais bon, après, je debuff. Je debuff les extrêmes. Donc, en théorie, on devrait s'en sortir. Ah, c'est dommage que moi je me prends pas de spé. En fait, ce serait intéressant de le jouer dans la catégorie plutôt, enfin pas en leader, mais plutôt en unité en position de sub. Dans la catégorie dernier atout. Comme ça, on peut le mettre. Enfin, on pourrait jouer à ce moment-là le nouveau Végéto LR puissance de la célébration palier 350 millions. Comme ça, on détecte l'aspect. Comme ça, on place Gogeta SSG4 au bon endroit pour qu'il puisse contrer comme il se doit. Ouïe. J'aurais pu mourir ça en vrai. J'aurais pu canner ici. C'est pas passé loin. Puff. Faire ça. On va virer les bleus. Bon, on va se soigner. On a toujours l'item qui est actif normalement. On part pas en spell team. Bon, c'est pas grave. La rotation me paraît un peu correct. Puis j'ai deux items qui sont claqués. Donc je sais pas. Ah non, j'ai pas bloqué 4 attaques. C'est vrai que je le place dans une position où il prendra. Enfin, il prendrait plusieurs attaques. Parce que mine de rien, son active skill, c'est l'équivalent d'un item de type Enma, tu vois. Ou d'un Wiz, mais seulement sur un tour. Lorsqu'on a eu les premières informations, lorsque les cartes ont été leakées par le Twitter officiel. On avait cru que le debuff durait jusqu'à la fin du combat. Là, ça aurait été trop fort. Ça aurait été trop fort, trop bien. Malheureusement, ça ne dure qu'un seul tour. Parce qu'à la fin du combat, ça aurait été vraiment excellent. C'est dommage. Oh, malgré les items. Ok. Donc là, je vais bloquer 3 attaques. Où est-ce que... Ouais, je pense qu'on va le tester au tour prochain. La rotation avec tout, l'active skill, la bonne rotation. Parce que là, on a le Dokkan mode. J'ai pas envie d'activer. Bon, on va le claquer tout de suite. Vu qu'on a le dégât efficace, hein, on tape pour n'importe lequel, ça devrait faire le taf. Bon, au cas où si l'autre ne meurt pas. Et là, on pourrait se manger une spé ici quand même. Allez, zou. En même temps, j'ai un debuff. Mais le debuff seul ne suffit pas, c'est que 20% je crois. Oh, j'aime bien quand c'est comme ça. Non! Ah, c'est pas possible, juste quand je dis ça. C'est pas possible, vous avez rien vu de toute façon. Vous n'avez rien vu. Vous êtes absorbé par la beauté de ce Gogeta SSJ4. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas un Axis Kill avec le Big Bang Kamehameha. Et voilà, l'autre il a disparu. Donc 2 400 000 avec Goku SSJ4. Donc il y a 25% de boost d'attaque en commun. Après, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de liens qui boostent l'attaque. Hein.
Donc il a Super Saiyan, Kamehameha, vitesse époustouflante. Alors vitesse époustouflante, une fois maxé, ça donne 5%. Combat décisif, une fois maxé, ça donne 7% de vos attaques. GT, une fois maxé, ça donne attaque plus 10%. Bon, j'avoue qu'une fois maxé, ça fait pas mal. Mais de base, il n'y a pas grand chose de ouf. Hein. Allez, on bloque l'aspect. En espérant qu'il ne parte pas en spé avant. En théorie, même s'il part en spé avant. On devrait s'en sortir. Ah, c'est pas possible. Pff, oh là 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 là. Elle est quand même solide, hein, cette petite princesse. Hop, l'aspé est bloqué. Et ensuite, il va double spé parce qu'il est debuff grâce à Gogeta. Ah, mais il y a rien, Gogeta. Son passif reste utile. Après, ce qui est dommage, c'est que en Goku Rush ou même en Histoire sans fin, le passif de Gogeta SJ4 et de Mega Shenron, voire le nouveau Gogeta SJ4, bah, évidemment, c'est pas très intéressant parce que ça ne fonctionnera pas. Le debuff ne fonctionne plus une grande partie du temps. Donc, ce Gogeta SJ4 intelligent, c'est plutôt adapté pour les combats courts. C'est là où il va le plus briller. Aïe aïe aïe. Allez, si on a tout ici. Donc, sixième tour, on a toujours les dégâts efficaces. Allez, c'est reparti. Oh, ce regard. Ce regard qui dit tout, les amis. Ce regard qui dit ah, il va t'arriver une bricole, frérot. Oh Walida, s'il meurt pas, je rends mon tablier. 3 400 000 dégâts efficaces, donc faut vous multiplier par 1,9 normalement sur une unité qui a pas de barrière, etc. C'est impressionnant. Mais après, encore une fois, c'est 8 tours, 4 apparitions, et à partir du 9ème tour, on passe à 50% de chance d'avoir les dégâts efficaces. C'est quand même bien, 50%. Mais voilà, c'est à vous de voir, les amis. Bon, on va s'arrêter ici. De toute façon, voilà, on l'a déjà réussi plusieurs fois, cet Extreme Battle Road. Magnifique, en plus, j'ai trouvé quelqu'un qui avait claqué un sticker sur lui. Donc ouais, voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce Gogeta SJ4. Moi, je le trouve vraiment pas mal. Mais à prendre avec des grosses pincettes, je trouve qu'il est meilleur en Battle Road. Même en extrême, vous avez vu qu'il fait très très bien le taf. Son active skill très utile, c'est comme si tu avais claqué un item de type défensif. Par contre, j'ai pas réussi à proc le compte, mais bon, on le testera dans une prochaine vidéo avec Végéto. Parce que voilà, il faut pouvoir détecter l'aspect pour placer Gogeta SJ4 au bon endroit. Voilà, on a vu ce qu'il était capable de faire, sachant que encore une fois, j'ai pas le lead à 170% parce que je joue qu'avec un seul Gogeta SJ4. Donc je vais monter à 3 400 000, donc on pourrait monter avec 20% en plus à 3 600 000 avec les dégâts efficaces, enfin 3 600 000 ou voire un peu plus, 3 700 000 on va dire. Et voilà, n'oublions pas qu'il a les dégâts efficaces. Alors ici on voit pas vraiment parce que les unités ont une énorme barrière, donc t'as l'impression qu'il tape pas très fort, mais sur une unité qui a pas de barrière, qui a une défense normale, comme les premiers demi-god tiers, en fait pour tester les vrais dégâts il faudrait taper sur eux. Bon, en même temps, il meurt tellement vite, mais voilà, l'idée c'est que la valeur d'attaque correspond, on va dire, à ce qu'on est censé faire comme dégâts sur une unité qui n'a pas de barrière. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez de ce beau gosse. Gogeta SJ4, édition 2020. Allez, à très bientôt.